Ce sont des baies Tamato. Et ça, ce sont des baies Oran. Là, regardez, il y a des centaines de baies rosins. Pokémon Aquasouris. Le bout de sa queue flotte dans l'eau si bien qu'il peut nager dans les courants même très fort. Marie, Marie, Marie. Allez, relève-toi, Tiplouf. Tiplouf. Quelque chose ne va pas? J'ai l'impression qu'il est totalement subjugué par Maril. Oh! Regarde-le, on dirait qu'il a eu un véritable coup de foudre pour Maril. Est-ce que c'est vrai, Tiplouf? Un coup de foudre, un coup de foudre, faut pas exagérer, il l'aime bien, c'est tout. Pas la peine d'en faire un plat. Tu ne comprends rien à l'amour. Maril! Maril, moi! Ah, c'est donc ici que tu te caches. Maril, Maril! Ah, bonjour, mais qui êtes-vous? Je m'appelle Sacha. Et moi, c'est Aurore. Je suis Pierre, enchantée. Et moi, je m'appelle Lulu, ravie de vous rencontrer. Je n'avais jamais vu autant de baies de toute ma vie. Ce verger appartient à ma famille. Ce sont mes parents qui s'en occupent, mais je les aide de temps en temps. Ça doit représenter beaucoup de travail. Pas tant que ça, tu sais. J'adorerais rencontrer tes parents pour qu'ils m'expliquent comment un tel verger s'entretient. Ils sont partis acheter des graines. Je pense qu'ils devraient rentrer d'ici 2 ou 3 jours. Mais si vous voulez, je peux vous faire visiter tout le verger. Vous pourriez même rester ici quelques jours. Je serais contente d'avoir de la compagnie. C'est une super idée, merci beaucoup. Oui, c'est très gentil. J'ai l'impression qu'on va bien s'amuser. Ce sont les héliatrons qui sont chargés de l'arrosage de tout le verger. Ils tirent l'eau du puits qui se trouve juste ici. Plouf est trop mignon, il a proposé à Héliatron de l'aider. Marie, Marie. Bravo, Tiplouf, tu vas marquer des points auprès de Maril. Tiplouf, Tiplouf. Ces Héliatrons ont l'air de travailler très dur. Ils feraient n'importe quoi pour plaire à Maril. Ils sont tellement mignons et je trouve qu'ils vont bien ensemble.